Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Grégory, je viens parler de cryptocurrency ou sous cause crypto. Nous avons des nouvelles chaque jour, ça qui passe sur le marché là, combien prix marché a y qui dernière nouvelle qui fait tomber. En parlant de dernière nouvelle qui fait tomber, nous avons regardé prix marché là, nous avons regardé Bitcoin. Bitcoin à 20 000 dollars en refresh. Bitcoin à 20 000 dollars sur CoinGecko. OK. Nous passons dans CoinMarketCap. Nous avons Bitcoin toujours à 20 000 dollars, 398. Ethereum lui-même, la 1096. Ethereum, il y a possibilité pour le descendre jusqu'à 900 ou bien 800, d'après la prédiction que vous faites. TTR, c'est coin stable. USDC, c'est coin stable. BNB, c'est coin que Binance lui-même li gagne sous plateforme NIA, la 225, il est monté à 3% la dernière 24 heures là. Et il descend 2% cette dernière jour. N'a pas regardé pour nous XRP à 33 centimes. Cardano lui-même la 46 centimes. Nous souhaitons que pendant 2 premières semaines juillet, Cardano lui-même li va faire monter. Et nous, ouais, je dis là, il faut monter, c'est parce que il y a une nouvelle sur Cardano, que Cardano fait partenariat ensemble avec deux, trois gros compagnies qui pourraient porter un pile NFT sur market là. Nous gardons nous Solana à 35 dollars, il monte pendant 24 heures là. Nous capable dire pendant 7 derniers jours, Solana a balancé de 30 dollars, 38 jusqu'à 35. Nous gagnons Dogecoin à 6 centimes. Polkadot qui sont gros projets à 7 dollars. Si toutefois nous besoin acheter Polkadot, nous capables toujours checker dans le lien en bas vidéo dans le list market exchange. Si vous vivez aux États-Unis, nous gagnons Binance.us, nous gagnons Crypto.com, nous gagnons Coinbase, Coinbase Pro. Vous avez un lien tout. Exchange IO non vidéo, mais si toutefois ou vivre hors des États-Unis ou vivre en Haïti ou quel que soit l'autre côté dans le monde là, nous gagnons Binance.com qui c'est une très bonne plateforme que moi recommande. Nous lien en bas vidéo, nous capables toutes les fois nous créer compte nous sans que nous pas utiliser lien, mais si vous utilisez lien ou obtenez un cashback l'offre premier déposit. L'eau après l'acheter 100 premiers, l'eau après l'acheter des 100 dollars Bitcoin, manquer dit 100 premiers Bitcoin. Oh, nous avons vraiment gagné des Michael Saylor dans plateforme dans là, sur chat là ensemble avec moi. En parlant de Michael Saylor, hier, moi t'ai parlé de Michael Saylor, que y aurait le sauveur de Bitcoin. Côté hier, il a acheté 480 Bitcoin. Pas oublier que Bitcoin environ à 20 000 dollars, sauf s'il a acheté. S'il a acheté 480 bitcoins, l'environ pour 9 billions de dollars. So, si toutefois tu as raté la vidéo hier, là, pas négliger à regarder. Nous avons regardé pour nous, nous avons Shiba qui voulait monter là. En pile belle nouvelle sur Shiba, que Shiba pour gagner une méthode de paiement sur Coinbase ensemble avec Doge. Il pourra l'utiliser comme méthode de paiement. Si toutefois vous avez raté la vidéo hier, je vous conseille pour regarder et pour faire commentaire en bas pour dire ce que vous pensez de Shiba. Avalanche sont très bel projet que je suis de très 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 près. Li monte là pendant 24 heures là à 17 dollars. Je obtiens un Avalanche qui est à 15 dollars, 14 dollars pour m'acheter. Encore, ce n'est pas un conseil d'investissement que je vais vous donner. Je suis juste là, je vais chercher éduquer nous, ban nos nouvelles, ça qui passe sur crypto market là. Uniswap sont très bel projet, pas pour débutants, mais quand même lorsque vous commencez à entrer dans le trading, vous avez besoin d'Uniswap. Puis devant m'a expliqué nous, moi j'ai pour me faire une série de tutoriels. Quand même des fois, si toutefois nous gagnons des difficultés, nous capables écrivez-moi dans les commentaires là et là ça m'a préparé des tutoriels pour nous comment pour nous utiliser plateforme yo, comment pour nous acheter premier Bitcoin nous yo. En pile bagay qui vraiment excitant que nous pourrions jouer sur plateforme là. Pas oublier cliquer sur bouton like là.
On allait dans Chainlink, nous avons Chainlink à 6,37$, il monte à 3,96%. Chainlink fait passer là un contrat ensemble avec Phantom, côté smart contract que vous pouvez gagner, yo a beaucoup plus facile pour développer yo pour yo mettre des conditions sur smart contract yo. C'est un très bel partenariat lié ensemble avec Phantom. Pas oublier que Phantom dans vidéo 28 juin, moi t'ai parlé nous que Phantom li vraiment besoin en pile support. Li même ensemble avec Harmony. So li fait partenariat ensemble avec Chainlink pendant que toutes les one yo yon a gomme ak lot, nous vinn remarquer que Chainlink li même li juste a fait contrat entre yon ak lot. Ça veut dire li pas dans discussion li même c'est contrat la sien, c'est service la bay. Pas oublier que Chainlink les mêmes c'est un projet qui permet que développeurs yo capable de lancer de données en temps réel ça qui passer dans mode noir. Encore moi te dis que Chainlink personnellement c'est un projet que m'a suivi de très près. C'est un projet qui pral faire fois 100 fois 1000. Bon s'il fait le tour, là bien bon pour moi parce que moi a accumulé Chainlink. Mais Chainlink c'est un projet qui à long terme. On nous dit 2025, 2024, 2025, nous capables de Chainlink qui passe de 6$ jusqu'à 25, 30, peut-être même 50$. Mais ça pourrait dépendre de l'acceptation market là. Nous gagnons Konos. Konos qui c'est une très belle plateforme que vous venez ensemble avec Coinio, que vous même. Yo, c'est compétiteur Binance ensemble avec FTX. Nous avons FTX là, nous avons nouvelles sur FTX. Qui nouvelle qui tombe sur FTX? Sauf que FTX lui-même a décidé pour l'acheter BlockFi pour 2,5 billion. Tandis que il lague pied Celsius. Parce que qui s'est passé? Il n'a pas l'acheter Celsius encore parce que il remarquait que Celsius a un short de 2 billion de dollars. Tandis que il pourrait l'acheter compagnie pour 2 billion. Il aurait manqué que compagnie gon 2 billion en short yo dans liste dans portfolio yo yo gon 2 billion de dollars qui disparaît. So lui même lui vinn pas fait Celsius confiance et il cherche parler ensemble avec Celsius. Celsius lui même lui pas veut attendre, il pas veut well pas dans parler avec monde. So FTX lui même lui décidé by Celsius vague et lui dit l'a acheté BlockFi. Encore nous gain Stellar Lumens, pas vraiment gain update ensemble avec Stellar, sauf que Stellar son coin pour nous suivre de très près parce que Stellar li gain partenariat ensemble avec MoneyGram et li capable faire transfert l'argent. Nous yo dit que Stellar capable faire un contrat ensemble avec Flex qui c'est toujours un compagnie qui fait transfert l'argent, mais nous pour qu'on connaît nous pour qu'on finir sûr. Lorsque market la redémarré, nous sorti nan tendance baissière là n'a remonté, n'a gagné plus données qui est capable di nous est-ce que nous supposé entrer dans Chainlink, na Chainlink, but est-ce que nous capable rentrer dans XLM qui c'est Stellar Lumens. Ni un protocole à $3.40. Pas vraiment gain news dans moment là pour ni un protocole, sauf que développeur y a travaillé. Nous gain Cosmos qui a $7.74. Cosmos c'est un gros projet, c'est un bel projet que lié, il gain en pile l'autre chaîne, il gain pile l'autre projet qui habite plateforme là. Pas oublier que Konos fait partenariat ensemble avec Cosmos, ça veut dire si Konos li monte en force, l'état dit li a rivalisé gens que yo besoin rivaliser ensemble avec Binance là qui là l'a vraiment bon pour Konos, l'a vraiment bon pour Cosmos. So n'a suivre projet ça yo très près et n'a porter dernière nouvelle yo pour nous gain VeChain qui vraiment développeur yo dit que VeChain nan moment là li en danger, mais n'a suivre pour nous li a 2 centimes 301 mais li fait bon li fait monter là. OK, so n'am gade pour nous qui ça nèg yo di sou Chainlink. Est-ce que Chainlink a risque vraiment? Mais que Chainlink a risque, son gros projet, c'est un bel projet. OK,
Chainlink a 1 milliard de dollars market cap, so nous gain possibilité pour Chainlink remonter à force. Le maintenant Chainlink c'était environ 8 centimes. So Chainlink ça a 2 centimes là, temps en temps pour un petit bagaille. C'est ça que les dollar cost averaging DCA. Pendant que Chainlink baisse, hein, pendant que tout le monde a couru pour market ou acheter bas pour capable vendre haut. Le tout monde qui était peur, qui t'a tant de parler de Bitcoin, qui t'a tant de parler de nouvelles ça yo, et que yo même yo pas voulu rentrer dans market là, le yo pral rentrer, c'est le ça ou même ou pral sortir. Ou bien t'en vendre yo tête nèg, yo même yo pral acheter trop tard. Yo ka get en fonti comme si yo bien joué trading yo. Mais sur plateforme ça m'ba ba nos conseils pour nos trade, moi plus ba nos conseils pour nous capable investi à long terme entre 3 à 5 ans ou plus. Nous avons Decentraland, OK, qui a 88 centimes, il est monté à 3.12 centimes. So Flow 1,54$, il est monté à 2 centimes. Nous avons ApeCoin, MNM ensemble avec Snoop Dogg. Fait que là son thème vidéo là sous question ApeCoin là, c'est ça qu'il faut voir ApeCoin là, la prend vitesse pendant ces derniers jours, il monte à 2.44%. So ApeCoin li sou bonne route parce que Snoop Dogg dans metaverse là a utilisé ApeCoin, il a utilisé comment il dit ApeCoin. So, y'a utilisé ApeCoin pour y'a capable lancer tout NFT ou work y'a lancé. Je vais vous montrer. Nous. Le nous arrivons dans ApeCoin. Nous allons dans. C'est plus NFT y'a même que y'a gagné. Nous lancer site web ApeCoin. Là. Mais ApeCoin. Ok. On allons. À propos de ApeCoin, YouTube ApeCoin c'est Web3 économie, ok. So, ça fait yo di Web3. Nous te gagné Web1, premier Web questions à faire le monde fait monter sur internet pour ouvrir page Google bagay comme ça. Web 2.0 c'est plus Web côté que ou vin gen Facebook, social media yo. So Web3 li même c'est gaming, entertainment, li gen que sauf que login plateforme, login dossier, login article qui posté sous internet là au lieu que c'est Google qui possède elle ou même ou gen doit posséder propre article. OK, c'est différent ça qui gen entre Web 2.0 et Web3. Web 3, ou posséder propre information, ou pas besoin d'un serveur personnel ou un serveur central, la décentralisé. Web 3, les mêmes yon plus centralisé. So, ApeCoin, yon gen NFT sa yon. Voilà. Mais yon, men jazz yon. So, bagay sa yon, c'est des milliers de dollars que yon vend. So Snoop Dogg gagne en pile là-dedans yo, l'a investi Snoop Dogg pour Snoop Dogg ouais futur là. Moi pourquoi on a investi dans NFT. Nous gagne Sandbox qui c'est un très bel projet qui entre dans domaine GameFi là, metaverse. Pas oublier Sandbox c'est environ 50-60 centimes, c'est lorsque Meta qui c'est Facebook vient dit qu'elle va entrer dans metaverse. Côté next yo vraiment vient prendre valeur. C'est des projets à suivre de très près et toutes nouvelles que moi yen pour nous sous question de crypto-monnaie m'a pote le banon et j'aimerais dire non restez connecté, abonné à channel là et dites dans commentaire yo qui ça nous pensez de NFT, qui ça nous pensez de ApeCoin. On l'autre fois m'a parler plus sur ApeCoin, sur NFT, comment Haïti capable vraiment intégrer ApeCoin, ni capable vraiment intégrer NFT pour capable avancer. Non pas moi c'est Biscuit Jean Grégory, moi t'ai porté cause crypto pour nous aujourd'hui. Pas oublier abonner à channel là
N'après demain, si Dieu veut. Ciao, ciao.